Salut Jean-Kevin. Bon, maintenant c'est moi qui vais faire l'émission, hein. Diana, elle a lâché l'affaire, elle préfère retourner avec 47. Elle trouve qu'il est plus beau que toi. Alors je t'explique en gros, tu vois la grosse vieille en bas? Bon, en gros, il y a des mecs qui veulent lui voler son t-shirt. Et on va pas laisser faire ça. Donc en gros, je t'explique, il y a un mec qui est recherché par la police. Il est perdu dans les montagnes et on a intercepté des communications de Kikoulol qui vont aller le récupérer en hélicoptère. Toi, en gros, il faut que tu les interceptes. En fait, la vieille, elle prend un avion vers la Mongolie, mais vu qu'elle est grosse, ça va mettre plus de temps de la charger, alors faut que tu les interceptes. Ouais, j'ai compris. Oh, Dylan, maintenant, qui va me donner les... Oh, hey, bouge-toi, toi. Dylan qui va me donner les missions, mais où va le monde? Où va le monde? Je vais quand même faire mon boulot propre. Il est là, le mec. Oh, il y a l'hélico qui va venir le choper, la gueule. Faut que je fasse diversion, faut pas qu'il le récupère. Eh oh, eh oh, yo. Oh, par là! Non, tiens! Non, faut que j'en tire! Faut que je leur fasse peur au moins! Tiens! Allez! C'est bon! Yes, ils se cassent, on dirait! Allez, cassez-vous là! J'ai une mission là! Faut que je gagne du temps pendant que les grosses montent dans l'avion! Allez! Ses fesses sont bloquées dans la portière! Il faut que tu gagnes du temps! Bah, donnez-lui du code pénal clé pour que ça rentre! Oh, mais c'est un 312 le truc! Je crois qu'il va tirer là-bas! Oh non, ma voiture, ça ira plus vite! Allez! Concentre-toi, c'est qui te dub, Jean-Kevin! Vous allez jamais récupérer le Kikoulol! Oh non! Attends! Voilà, ça s'est fait au moins! On a réussi à faire rentrer un bout de la cuisse, mais ça suffit pas, Jean-Kevin, continue! Ouais, de là, ici, Jean-Kevin, t'inquiète pas, je les ralentis, je leur fais perdre du temps! Là, ils essayent d'atterrir, je vais les empêcher, t'inquiète pas! Je vais leur tirer dessus! Non, d'une pipe en bois, t'es snap pour un t-shirt! En plus, il est même pas bon! Mais où va le monde? Ah, mais pourquoi je suis mauvais comme ça? C'est quoi ça, le mec? Attends! Non! Mon gars, tu veux me le payer? C'est qui, lui? Il y a un nouvel hélico, Dylan! Non, il est pas dans le délire, lui, on sait pas trop, il est peut-être gentil, laisse-le, ne tire pas dessus! Eh, mais fais ses merdes sur terre! Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il passe son hélico, bah d'accord, ok. Il veut faire copain-copain, on dirait. Mais t'es qui, toi? Ouais, je veux pas savoir, tiens. Allez, quoi que je peux dire. Allez, donne-moi ton hélico. Oh, t'exagères. C'est pas dit là, j'ai récupéré un hélico, je vais essayer de faire diversion. Dépêche-toi, il se ramène avec un buzzard pour récupérer le gars. Avec un buzzard? Mais il veut me... j'ai pas qu'une seule solution. Je vais faire le Kamehameha de l'hélicoptère. Attention. Kamehameha. Oh les mecs, que je leur ai mis. Les mecs, ils ont pété comme des citrouilles. Une équipe d'intervention arrive pour scier la porte parce qu'elle est bloquée avec ses bourrelets là. T'inquiète, moi je vais faire le coup du ventilateur, tu vas voir. Kiko. Dylan, ici Jean-Kevin, l'hélicoptère que j'ai récupéré commence à déconner sérieusement. Je me parachute. Terminé. Attention, hop là. Et ouais, le camouflage noir. Parce que je suis un agent spécial. Allez. Youhou. Tu me sèches propre comme d'habitude. Coucou les kikous, je suis en mode passif. Alors ça va, descend la montagne à cheval. Je vais leur faire le coup du passif, non passif. Oh calme, je vais les calmer moi. Et voilà, 10 secondes, hop hop hop, on court. Je vais être juste votre ami. Allez, c'est parti, je fais un carnage maintenant. Allez. Come on les kikou, come on. Tiens, tiens, oh, panier. Elle t'a trouvé quoi? Rien du tout. Un mec, tiens, elle reste. C'est le mec de l'hélico. Allez, voilà, il est décédé. Chez Jean-Kevin, l'avion a réussi à décoller. T'es vraiment un PGM. Merci Dylan, toi t'es un bon lèche-pot. Abonnez-vous les potes et likez-moi ça. Ah, c'est bon. Tu penses vraiment que t'as bouffé, mec? Y'a tes amis qui te regardent et tu bouffes.